Oh, magnifique. Oh, oh putain. T'as pas dit qu'il fallait pas faire de gros divots normalement? Oui, j'ai assuré, regarde. Elle revient. Tu te chauffes, Laurent. Il faut même rejouer. C'est claqué quand même ça. Hein. Et eux, ils font juste une meilleure balle. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on se rate, parce que je suis pas sûr qu'ils fassent tous les deux bogey. Et sinon, on fait pire balle. Nous, on scramble, et eux, ont pas meilleure balle, mais pire balle. C'est-à-dire que ils doivent pas se couper. La mauvaise des deux, ouais. Ah ouais, ouais. La mauvaise des deux. Non, pareil. Moi, je vais faire des doubles. Non, il joue au golf un peu. Ah bon, tu crois? Qu'est-ce qu'on trouve comme mode de jeu? Alors. Et sinon, si on faisait Laurent et moi contre vous deux? Ah oui, mais oui. Ouais, ça c'est mieux. En scramble, ouais. Scramble, c'est le plus facile. Luc? Ah ben moi, ça me va, hein. C'est juste qu'on va prendre toutes les balles de Léo et ils vont, à mon avis. Pas forcément. Bah, c'est peut-être remise en jeu. Et peut-être sur les attaques de Green. Un démarrage de balles, non? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il sait qu'il joue contre toi, il avait envie de te faire un tibia, là. Bonjour à tous. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode du Bryson Challenge. Un peu spécial, regardez-le. On va aller sur le parcours pour tester nos clubs. Et on va être bien accompagné parce qu'on sera avec Léo et Laurent. Alors, on n'est pas sûr encore de la formule de jeu. On sera 9 trous, c'est déjà ça, c'est sûr. Par contre, il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel qu'on peut annoncer. Déjà, on essaye nos clubs. Déjà Laurent ça. Essaye aussi ses clubs. Mais surtout, Laurent, ça fait combien de temps que t'as pas fait de 9 trous? Ça fait pas loin de 10 ans comme Instagram, quoi, tu vois. Finesse, c'est fou ça. Donc, le mec il nous apprend à jouer au golf, ça fait 10 ans qu'il est plus à monter sur un parcours pour faire 9 trous. Ouais, la dernière fois que j'ai joué, c'est sûrement avec Léo, tu vois. Mais pas 9 trous complets, quelques trous quoi. Il avait 12 ans. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Ça va faire bizarre aussi. Belle top. Donc là, on est en train de partir sur le parcours avec Laurent Cabane qui n'a pas joué depuis 10 ans. 10 ans. En forme, tu te sens prêt là ou... Tu vas te faire rosser, hein. Laurent, moi quand j'ai commencé le golf, il était joueur professionnel. Et mon père est ami avec depuis très longtemps, donc je faisais des parties avec quand j'avais 9-10 ans, quoi. Wow. Et là, du coup, même pour et toi, donc, c'est... Maintenant, c'est marrant, quoi. Ça fait presque plus de 10 ans que j'ai pas joué avec lui, quoi, au final. J'ai entendu Luc dire à Léo, « Bon, Léo, je m'excuse d'avance, je mets pas un pied devant l'autre. » T'es prêt, coach? On part des blancs, bien sûr, on part des blancs. Allez messieurs, bonne partie, bonne Léo, partie, à fond. Luc. Laurent, il faut qu'on prenne direct le trou numéro 1. De quoi? Ah oui, on sert la bonne partie quand même au début. Bon. Match play ou stroke play? Match play. Oui. Match play. Donc on commence au 10 du Camfero. Ah, il va pas. Front spin. Ouais. Milieu des bois terminé, trou numéro 1 pour nous. Jamais. Mais attends, mais... Attendez, sauf que maintenant il y a Luc là. Je vise où là, Léo? Alors là, vise où tu peux, t'as jamais visé depuis que tu joues au golf. Mais je vais l'enterrer, je vais vraiment l'enterrer. Écoute pas. Oui, vas-y. Tu en es sur le parcours. Ok. On cherche pas la technique, tu vises bord du bunker de gauche. Là, comme voilà. Ça. Ok. Oh, magnifique. Voilà. Il tourne trop, non? J'ai entendu quelque chose, non? Ah, elle est dans les bois. Moi aussi. On tape le green, nous? Non, je voulais un peu plus safe. Oula. Si elle vient dans les forêts, celle-là. Elle est sur le 3. Sur le 3, pas loin du 3. Fairway ouais. Du 3. Oh, magnifique. Bien joué, Tom. Merci. Putain, mais... c'est la compète, là. Ah, mais en fait, je vais pas lui dire bien joué. Ouais, fair play, toujours fair play. Il y a la balle de Léo qui est passée, donc je sais pas, toutes les personnes qui ont peut-être déjà joué le Camp 4 Off se foutre ici au premier shot, c'est assez fou. Et moi je suis derrière, près de l'arbre là, après la capture. Après... On a trouvé les deux. On a les deux, hein. Je suis bunker. On vous a mis à peu près 60 mètres. Belle balle, Tom, hein. On a retrouvé les deux. 60 mètres, on carry 55.
Elle roule 5 mètres. Ouais. 100 points au traquement de combine. Hein. Oh là là, ça va être vraiment intéressant ce match play, je pense, ça va être cool. Moi j'ai déjà fait, hey, moi j'ai demi un coup. Bien, elle est au départ du 11. Allez, super, c'est pour après. Bien joué Tom. C'est génial, on est avec le soleil qui est en train de se coucher sur le Kempferhof. Bon, Laurent s'est mis presque, s'est mis un peu de 1 mètre là par contre. Putain, et franchement, elle est pas évidente votre sortie là quand même. Il y a pas beaucoup de green devant le. C'est sûr qu'on fait pas un stroke play. C'est le premier annoncé, hein, c'est le premier annoncé. Est-ce que là, le bogey il est pas donné là. Oh oui. Ah dommage. C'était pas mal, quand même. C'était vraiment pas mal fait, c'était vraiment ça dans l'idée. Oh bien Luc, attends, c'est perdu ça. Les images avec le soleil qui se couche là, ça va être ouf. Allez, non. Oh, mais c'est petit bras ça. Tom, t'as la pression un peu là ou ça se passe comment? Oui. Bon, bonne pour eux. Sur ce trou là. Ouais. Pas terrible parce qu'on peut pas la sortir trop à gauche. Je mettrai un plan en drone en même temps pour que les gens puissent voir. Et Léo il peut la taper en fait parce qu'il carry loin. Mais tu carry loin c'est aussi un peu non? Ah Léo il carry beaucoup plus loin. Là, je vais assurer un peu quand même parce que vu le départ du 10, on va se détendre un peu. Oh elle est belle, wow. Elle est parfaite. Super loin. Tu veux, je peux y aller en premier. La batterie s'est éteinte juste à mon shot. Je suis content, j'ai réussi à le mettre juste ici. En petit draw en plus et tout. C'est, je suis content. Mais on va quand même évidemment prendre le gros drive de Léo qui s'est mis 30 mètres plus loin, ou même 40, que celui de Tom ou Laurent. C'était Laurent ou Tom ça? Laurent, ouais. Attaque de green là? Il reste combien de mètres? 225 au drapeau. Fouuu! Tu sens comment Laurent là? C'est pile ma distance. Ah, trop de spin, trop de... Putain que ça m'énerve de mettre trop de spin. Elle est parfaite mais... mais ça me rend fou. Oh oui, belle. Ouh. Elle est courte. Ouais, elle est courte aussi. Elle est pas mal, hein. Allez, où 195. 195, bravo. Ok. Elle reste à gauche. Oh oui. Yeah. Ouais. Green. Énorme. Elle est à gauche, mais la frappe est vraiment belle, là. Là, elle est pas loin du green, hein. Franchement, c'est un putain de strike. Hein. Merci. Oh là 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 là. Oh. Putain, elle était propre. Elle était propre. Spinée là, juste avant. Oh, ce plan. Voilà, c'est un très bon plan. Moi, les données. C'est pas donné, ça. Ah bah, c'est fair play, entre toi. Le plan est génial. Les gars, petit pouce bleu, petit bouton s'abonner si vous kiffez ce genre de contenu avec Léo et Laurent et Louis qui nous suit sur le parcours aussi là. Coucou Louis. Ah oui, la Tiger Line. Celle-là, elle passe. Ça y va ou pas? Ouais, elle passe. Attends. Ouais. Ah, je pense que ça passe. Ouais, elle passe, ça passe. Hein. Passe une balle, tu vois. Vol. Elle passe.
froid. Non. Ah. Non, c'est bon. Et il va? C'est parfait. Ouais, il a touché, mais vraiment les trois feuilles de l'arbre. Mais il y a moyen qu'elles soient magnifiques, celle-là. 73 alors. 73 mètres. 73, 10 heures. 10 heures, quel club? 58. Allez, on veut une masterclass là. T'as pas dit qu'il fallait pas faire de gros niveaux normalement? Oui, j'assure, regarde. Oh oui. Elle revient? Wow. Mais non, mais. Wow. Oui, monsieur Cabane. Mais grave, le fairway là, je t'oblige. On la voit revenir ou pas sur la caméra? Bah, je veux être un zoom. Moi aussi, je voulais assurer. Là, je pense que c'est peut-être un peu le contact. Ouais. Allez. Ah, il y a un pote qui se rentre encore. Un pote, là. Hein. Allez. Merci Laurent, t'es un mec sympa. Non, c'est tellement lent. On la pète pas celle-là, messieurs, non? Ah, c'est bon. Ah, c'est offert. Laurent. 3 trous, 3 birdies. Hein. On a pris combien la balle de tomber une fois? Salaud, t'es sérieux là? Le mec est sérieux? C'est pas vrai. Putain, il se chie au putt du 1, il se chie au drive du 1. Il... La confiance du mec. Ah, le bas, l'enflure, tu sais. Ah, c'est fort, Luc. T'étais plein trou là en plus. J'ai l'habitude des greens comme ça, moi. Ouais, non, mais là, là t'es pas dans le rough, hein. Oh, one up! Dommage. Allez, départ du trou numéro 13. Petit shot en drone maintenant. Et ben, driver, départ des blancs, c'est parti. Laurent Cabane on the tee. Oh, belle merde! En vrai, Tom, il a la pression quand même! Hein. Là, tourne! Non, tourne à gauche. Ah ouais? Ouais. Ah, s'il y a eu l'autre ferro? Je pense que c'est bon, à mon avis. Ah! Il a trop bourré là. Ouais. C'est la même que moi. Celle-là, elle est parfaite. C'est là qu'on voit l'entraînement. Ah ouais, grave. Ah oui. Oui. 140 pour passer le bunker. 152. Eh, il faut utiliser tous les éléments. Ou je suis trop haut. Mais là, faut la faire tourner, non? Non, au-dessus. Ah ouais? Ah ouais. Avec quoi comme club? Ouais, mais vous faites quoi là? Un fade, cut fade? Non, là, je vais la mettre, mais au ciel du ciel. C'est vrai? Ah ouais. Elle est belle, non? Elle est courte, non? Courte. Donc là, vous... Regarde, parce que là, on place, on devrait placer. Donc là, t'es sur au 9. Prends le 9. Là, je te le mets en live flyer. Faire 9, elle y va. Ah, live flyer, ça veut dire qu'il y a un peu d'herbe derrière, c'est ça? Voilà. Donc alors, moins de spin, elle va aller plus loin. Ok, d'accord. Allez, Tom. Même là, tu peux presque penser à la prendre clean, tu vois. La grasse, ça, c'est la merde. Voilà, regarde, magnifique. Oh là là là, elle est belle, ça. Ah, dommage. Donc là, on reprend vieux fort déjà. Pas de Bushnell. Donc là, c'est un peu à l'appréciation. Il y a la plaque des 100 qui est là. Très bien, on a 4 points d'entrée bien. Il y a à peu près 15 de drapeau. Un point de rencontre, 100 mètres. 100 mètres. Voilà. C'est tellement pur. Je prends un 52, 3ème amplitude. Ok. Elle peut être incroyable parce qu'il y a une petite pente juste là. Avec une petite à droite. Super chouette ça. Merci beaucoup. C'est peut-être la première balle qu'on va prendre de Luc. C'est ça, non? C'est possible. Tiens, Luc. Remettez vos divos si vous n'avez pas encore vu la vidéo avec Alejandro Reyes. Et ben regardez là déjà, et vous verrez à quel point c'est important de faire plaisir à nos greenkeepers parce qu'ils se défoncent pour nous. Un travail de malade. Exactement. Donc on les voit pas beaucoup, mais. Exactement. C'est grâce à eux qu'on les voit. On les voit pas beaucoup aussi parce qu'ils se lèvent très tôt le matin. Eh oui, c'est sûr. C'est fou. Oh wow. Bon pote derrière. Ah, chacun son tour. Que je te dise quelque chose. Il y a ton partenaire qui est là et qui va aller. S'ils mettent pas le putt, on peut faire approche putt. Là, tu fais un petit draw, tu vois. Aligne-toi un peu plus vers moi là. Là, et là, voilà. Et là, tu la release comme ça là.
Moi j'ai voulu faire spin dans la pente, mauvaise idée. Allez Tom. Oh. What Tom. Elle est 30 mètres derrière. Putain. Ça, on repasse square, départ du 14. Et là il y a shot. Et là il y a shot. Je sais plus, c'était avec Tom, je crois qu'on en parlait parce que. En fait le 14, si vous le savez, je vais vous remontrer un shot de drone là du 14. Il fait très peur parce qu'il y a une grosse étendue d'eau à passer. Il fait très peur pour nous, pour moi, genre par exemple 21 d'index, même 10 d'index peut-être. Mais à mon avis pour toi, tu sais que tu vas avoir la longueur. Après voilà, ça va dépendre du choix de mon club. Il faut pas que je me fasse avoir par le petit vent, tu vois, je l'ai déjà mise dans l'eau aussi, hein, donc ouais. C'est surtout dans l'analyse, ok il y a petit vent, on prend un club de plus et puis voilà. Oh, elle peut boiter. Punaise. Allez. Oh putain. Oh. Ça fait kiffer là. Là, celle-là, elle était puissante. Hein. Aïe. Hop. Après, il blé. Vol. Oh non. Talon. 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 Tiens. Je suis derrière, on reprend. Oh, elle est belle. Non, non, elle s'est droite. Putain, elle est grappée un peu. Vole un peu. Oh là. C'était pas loin, ça, non? T'es resté, non? C'est comment de retourner sur le parcours, là? Bah, écoute, c'est sympa. Scramble comme ça, c'est vraiment sympa. Honnêtement, là, en stroke, ça me saoulerait déjà. Parce que j'aurais déjà fait un double, je pense. Si t'avais pas été là, déjà. Au trou d'avant, notamment, ouais, et la belle sortie de bunker. Non, non, mais là c'est vraiment sympa. Et puis le soir et tout, c'est magnifique. On se régale bien. Putain, t'as eu trop de backspin toi. Ah, regarde les œufs. Oh, oh cette chatte. Oh là, la chatte. Comment ça se passe au niveau de la chatte, les gars? Bah écoute, regarde, elle est pas dans l'obstacle. Non, non, non. De la ligne. Elle est en jeu. Elle est en jeu. Sur la terre ferme. Bon, là ils vont quand même faire approche-pot. Oui, là, Léo, oui. 90% à peu près. Pour le tour, c'est 90%. Lui, je sais pas, mais. Il est au moins 80% quoi. Oh allez, allez. Ah c'est juste trop fort. Nul. Non mais il me faut sa balle. Ouais trop fort. Elle y va. Allez. Ça c'est une équipe mais. Deux fois la balle de la temps. Révélation quoi. C'est quoi, toujours one up? Il perd tout! Laurent! Il allait partir sans moi! Par 5. Il t'a dit quoi, Laurent? Je vais accélérer. Comme un connard de voir, tu vois. Tu mets pas une balle sur il s'amuse terrain. En fait. Lui, il est... Et toi, tu galères derrière. Ouais, moi, je fais juste m'amuser, exact. Oh. Les gars, je tape pas. Elle est incroyable celle-là. Magnifique. Elle est incroyable. Oh merde. Ah oui monsieur. Oh, oui. Elle va me coller 30 mètres. Elle tombe trop celle-là, elle tombe trop. Ah non. Bah tu fais quoi moi du coup? Bah toi tu te déchires un peu. Hein, arrête de jouer un peu. Voilà. Vas-y. En drôle. Un peu moins à droite. Allez toi un peu de la gauche. Lève le talon. Voilà parfait. Non pas le talon. Non. Pas parcours. Oh! Regarde, regarde, regarde! C'est énorme! On est sur le départ! Sur le départ du 14! Et Louis nous a demandé, il comprenait pas ce qu'on faisait avec nos balles. Là, il comprend. Ah, celle-là, c'est énorme. Et là, pour la mettre sur le départ, là, c'est fantastique. Hein. Bon, je vais la chercher celle-là. Merci, merci, Louis. Léo vient d'annoncer qu'il a fait, à mon avis, 285 caries. Léo aurait. Oh là, mais j'ai pris la butte en plus. Léo aurait fait 285 caries là. Ah, mais il a collé 40 mètres. Mais là, comme on plante le mât, ça va. Ouais, c'est ça. Il nous reste un petit chemin. Oh là là, j'ai pris cher. Hein? Non, ça va encore. Ah, je peux pas attendre à pire. 20 mètres. Non, le pitch. Ah, tu pitches dans. Ah ouais, j'ai pris la butte là. Allez, Rondro là, c'est pas assez ferme. Hein? T'as pas maté des rines. Pas assez dur. Lui qui revient avec ma balle qui était sur le départ du 14. Avec le gyro. J'ai presque plus de batterie hein, du merci. Coup, tellement je suis allé loin. Hein. Ouais. Drive. Tu mets drive là? Ah ouais. On drive.
Oh, oh putain. Elle est pleine. Wow. Ah, elle est courte. Pas sûr. Les gars, je joue pas. Non, sérieusement. Franchement, mais qu'est-ce que je veux faire ça? Je... Oh le trait. Oh le trait. Oh le trait, il sort. Là, mon pauvre. T'as claqué un drive. Donc ouais, donc Léo a annoncé qu'il a fait les 300 mètres là. Il a peut-être carry à 285-290. Imaginez-vous, 290. Ça, ça vaut au moins déjà plein de pouces bleus sur la vidéo. Et allez le suivre sur Instagram parce que ça... Il nous reste 215. Quand ça clignote, ça filme là. Luc. Ouais. T'as pas besoin de la fracasse en plus, tu la touches bien, elle va y aller. Bon contact. Ah. Dommage. Je pense qu'il est pour nous. Mais la mienne on la retrouve, on non la tienne je pense. La mienne on la retrouve les gars. Il vient de dire je suis pas prêt pour 18 trous encore. J'ai l'impression d'avoir joué 15 trous là. Petit 60 degrés. Ouais, petit 60. Elle est belle celle de la tienne. Ouais, je suis content ouais. Tom il va pas jouer du trou. Je vais lui mettre son putt. Il va rater son putt, je vais lui mettre son putt. C'est pas terrible. Et là, avec le 60, tu fais quoi? Je prends pas le Pluton à 56 et... Non. Non, 65. Non, tu l'as fait rouler en drop, petit drop. Donc un peu à droite, derrière. Ouais, aligne-toi un peu à droite surtout. Et tu fais ça un peu, tu vois. Ouais, ouais, tu la retournes un peu comme ça. Tac. Comme ça, là, tu vois. Tac. C'est tranquille, elle part plus vite. Ouais, moi aussi, je me fais défoncer. T'as fait un petit saut de cabri, là, mon pauvre. C'est mignon. Aligne-toi à droite. Voilà, regarde, ça, c'est bien. C'est pas court, un peu? Ouais, parce qu'elle est trop, elle a encore un peu cueilli, tu vois. Oui. Comme ça là. Ah, il doit plus. Ah non. On sentait pas le truc là. Faut qu'on en fasse des petits chips comme ça. Ouais. Ah, je l'ai bossé un peu avec Léo et c'était cool. Ouais, parce qu'il a pas du tout le truc. Attends, tu penses qu'il va se mettre au drapeau là? Moins de 1m50. Tu vois, déjà dit non. Il a failli boiter. Ah putain. Ouais, mais là, c'est, les greens ils ralentissent le soir, tu vois. Donc lui, il la voyait plus longue. Il y a petite montée déjà. Bonne journée. Mais tu fais que te pousser là. T'es abusé. Ouais. Laisse-le parce qu'il veut péter ton péteur. Ouais. Là, t'as pris un risque. Et ça fume. Il y a la caméra qui coûte cher aussi. Il va la prendre, il va la balancer. Tu mettras un gros zoom. Zoom sur la tête de. Oh là là. Et c'est square. Énorme chip. Super deuxième shot au final. Hein. Merci, merci. C'est parfait. Donc là les gars, on revient square. Départ du 16. Oh, yes. On va. Je vous remontre là le trou numéro 16 en drone, vous allez voir. Tout droit. Concrètement, il n'y a pas trop de difficultés. Il est un peu serré, non? Il est trop assez court, du coup il est un peu plus serré. Ok. Tire limite à gauche. Il y a combien de mètres jusqu'au green? Il y a à peu près 300 mètres. Dans les bons jours, tu le drives le green en fait. Ouais. Ouais, ouais. En même temps, nous on fait un peu exprès de vous laisser revenir à chaque fois. Sinon, il n'y a pas de suspense pour la vidéo. Pour la vidéo, c'est mieux. Luc ? Ouais. On fait exprès de vous laisser revenir. Ah, bah oui, sinon, c'est pas marrant la vidéo. Je comprends. Ah, il est fin de la couche. Hein ? Ouais. Dis-lui, parce qu'il ne croit pas. Ah, il est. Ça, c'est un bon drive. Un peu dans les machins, mais ça reste un bon drive. Regarde-la bien. Je la vois pas. Voilà. Oh, elle est belle. Ouais, ah, elle s'échappe un peu trop peut-être, non? Non, ça va aller. Ça va rester normalement. Bien joué. Ah, elle est parfaite. Non, elle est talon. Hein? Talon, mais elle est bien. Ah, elle est fairway, ouais. Quoi. Elle est fairway, quoi. Elle est fairway, t'es à 30 mètres, quoi. 40, ouais. 30-40. Louis, ton petit pronostic, là? Vu que Laurent est mon tuteur, du coup je suis obligé de dire que ça va être Laurent. Mais le connaissant, il va mettre un petit coup d'accélérateur 17-18 et c'est bon. Hein. Ouais, tu penses? Ouais. Ouais. Okay. Parce qu'après, là, je pense que. On est peut-être mieux qu'eux aussi là sur le. Ouais, ouais, ouais. Et puis toi, vu que tu rentres tous les putts, ouais, ça ira. Mmh. C'est très propre. Bon, qu'est-ce que t'en penses pour le moment, Luc, là? Trop cool. C'est sympa. Trop cool. Bah déjà, jouer avec Laurent et Léo, c'est déjà trop trop bien. Et en plus, il y a plein de rebondissements. Si vous kiffez le petit bouton bleu, les gars, on veut que cette vidéo explose les boutons bleus.
Et si c'est le cas, on en refera peut-être avec eux. 58. 58 mètres ? Ouais. Amplitude du 55 mètres, contact. Ok ? Ok. Allez. Ça peut être très propre ça, non ? Il est incroyable ce shot. Ouais. Tu viens de faire. Il t'a fait un shot de ouf, hein, franchement. Merci. Ah merde, j'ai bougé. Ah Luc, c'est énorme ce que t'as fait là. Merci. Tu sais que c'est ton birdie ça Luc en plus. Hey, ouais, vitesse, ton drive, ton sandwich, ton pote. C'est quand que t'es sur le Pro Golf Tour là Luc? Allez. Merci, merci. Énorme. Mais Laurent putain. Il est 153 mètres. 153 mètres. Qu'est-ce que j'ai pris là? 10? Non c'est trop. Vas-y Luc. Tom. Allez, tourne. Ça sera quelque part là, non? Ouais, pas mal. Aïe. Ouais, vas-y. Ça fait court, franchement. Ah non. Ah, sortie de bunker. Dommage. Allez, c'est à Lucas Léo d'ouvrir le bal de l'extérieur du green. Ils prennent tous les deux putters. Et nous, on est juste peut-être 2 mètres dans la même ligne. C'est la bonne vitesse. Pas mal. Ouais, bien fait. Merci. Gauche. Ah ! Parfait. Donc nous, c'est juste l'extérieur droit. Ouais, il y va. Allez. Ah non. Oh, mince ! Bon ouais les gars, on est all square au départ du 18, hein. Ça c'est très très beau ça. Je crois que c'est le premier trou qu'on... Bon messieurs, départ du 18, shot en drone maintenant. Tom en outil, driver. Bah avec la bête là, ouais, trois trous. Ah, t'as la pression un peu là Laurent ou pas? Bon là il y a un petit drive à faire donc. Ah bien, parfait. Bien. Oui, ça c'est un bon petit drive ça, c'est parfait ça. T'attaques là? Bah, ah ouais, là du coup il peut attaquer. Allez, un Nino là! J'ai essayé de gratter quelques mètres. Bien joué, bien joué. Elle y va? Un peu trop fine. Non mais elle peut pas aller au green. Non mais je sais, mais. Non, elle, mais il est pas mal là. On la retrouve quoi, genre les bords gauche de. Ouais, de voilà, carré. Je vais pas être très très loin. Bon, là on a un peu la pression. Distance caddie. Non, distance caddie qui me dit putain. Ah, pardon, 127. 127 127. 120 pour passer l'eau. On va jouer 128, 1 mètre de spin, boîte. Avec la petite vue sur le restaurant du Kempferhof. Si c'est pas beau ça. Dans l'eau. Allez, green. Là. Bon coup de merde. Hein. Tom, t'as la pression un peu là? Rappelle-lui à quoi il doit penser là parce que. Tom, t'as quoi là? J'ai un petit 9. Non, pitch. J'ai fait l'erreur moi. Je voulais prendre. Non, mais il n'y a pas de. Tape un 9 comme à la wedging, tu vois? Non, non, parce que justement, il n'y a pas de place devant. Oh, oh elle est belle! Allez, allez! C'est la seule qui a pas fait de spin. Qui a pris trop de spin. Elle est où? Elle doit être 7 courtes normalement, je dirais. Très beau shot quand même, Tom. Allez! Maintenant, c'est un bon shot, ouais. Pourquoi ce truc que t'as mis, Léo, c'est démentiel. Et là, t'as mis un énorme drive. Hein. Ouais, vas-y. Bon, du coup, nous, on a peut-être un putt de. Allez, 5 mètres en montée. Ouais, 4 mètres. Putain, ouais, si je suis seul, je pense que je l'ai pris trop clean et que c'est pas un bon coup. Ouais, moi, en plus, je t'ai dit, regarde, t'avais 127. On a vu là-bas que c'était 122 à l'étalonnage. Ouais. Regarde, avec 4 courtes, ça fait 123. C'était. Le truc, tu vois. Et là, on va laisser la magie s'opérer. Vous avez combien de mètres? 50 tout pile. 48, 45 mètres, attention. Non, c'est bon. Je l'ai vu. Ouais. Bien joué.
Petite pression quand même, au 18, finir comme ça. Ah, il restera un putt. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Bon, je préfère notre putt, ouais, en vrai. Exact. Franchement, je préfère notre putt. Et c'est à eux de putter. Moi, je pense que Laurent, il va la boiter, comme ça, c'est terminé après. Ouais, c'est à nous. C'est à nous. c'est tendu jusqu'au bout. Pas assez de release, Laurent. La mienne, elle est partie là, elle est passée en dessous, elle est forte. Très beau putt. Allez. Excellent. Allez, j'y vais, j'y vais. Tout du long, je l'ai pas vu dedans. C'est parfait. Tu verras, je lève le doigt. C'est vrai aussi. Ouais. Mais tout du long, je me dis, mais jamais elle rentre celle-là. Comme lui, le départ de balle. C'est hyper fort, ça là. C'est doux et par la droite, justement. Ah dommage. Bon Léo, c'est vraiment cool quand même. C'est vraiment ça, ça fait bien chier. Ça fait bien chier. Bon messieurs, Luc, bien joué. Bien joué. Léo, c'était bravo, vraiment cool. C'était bien vraiment joué cool, mal. Ouais. Merci, merci. C'était cool. C'était très 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 sympa. Moi aussi, je suis dégoûté. Alors, ça t'a plu quand même le parcours ou pas? Ouais ouais, non, c'était vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Après honnêtement, j'ai pas douté. Sur le putt du 18, tu sais, le dernier. Horrible. Si vous avez kiffé, donc nous, tout autant que nous, je pense, mais on va peut-être essayer d'un moment de se refaire une petite revanche, pourquoi pas. Donc explosez la barre des boutons j'aime, la barre des le bouton s'abonner aussi. Et n'hésitez pas, il y a Léo et Laurent qui ils sont sur Instagram, qui sont sur Insta. C'est ça, donc n'hésitez pas à aller les suivre, aller checker ce qu'ils font. Laurent et Léo sur Insta. Je pense que là, c'est la fin de la vidéo. Je pense que c'était un Bryson un petit peu atypique. On espère que vous avez kiffé. Messieurs, à la prochaine. Merci. Adios. Ciao. Ciao, Tom. Ciao tout le monde. Ciao. On est quand même obligé de vous montrer. Allô, ça. 4 demi à la 12. Incroyable, on espère vraiment que vous avez kiffé. Bonne soirée à tous. Ciao.